Yo les gars, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui. A few moments later. Bon les gars, il est temps de passer à l'explication. Mais attends, tu craques, tu craques ta mère. Ta gueule. Yo les gars, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce que aujourd'hui, il va se passer quelque chose, c'est que j'ai une nouvelle à vous annoncer qui est un peu triste. Mais bref, on va essayer de profiter à fond du spot parce que c'est peut-être la dernière fois que vous verrez une vidéo dessus. Avant que la vidéo commence, j'aimerais vraiment vous remercier pour le soutien que vous avez apporté à ma dernière vidéo. En tout cas, bref, vous le savez, ce spot est pas très légal. On a l'accord du garde forestier mais pas de la mairie. Et on est dans une sapinière. Une sapinière, je vous affiche à l'écran ce que c'est maintenant. Bon, on le savait que ça pouvait arriver, hein. Mais là, ces derniers temps, cette semaine, les arbres ont tous été marqués, que ce soit par un trait blanc ou un trait orange. Les traits blancs, ils délimitent le contour du terrain où s'arrête la zone qu'ils vont couper. Et malheureusement, cette zone, c'est toute la partie avec le rocher, le road gap, toutes les grosses lignes. Et il n'y a que deux sauts qui sont la passerelle et le kick de fin de ligne qui sont pas dans cette zone. Du coup, ça veut dire que tout le spot va être détruit. On le savait, hein, c'était le risque de construire dans une sapinière. Et voilà, du coup, c'est potentiellement la fin de ce spot, c'est potentiellement la dernière vidéo que vous voyez ici. Du coup, profitez bien et merci à vous. On sait pas vraiment quand le spot va être détruit, mais on pense qu'à l'été il sera plus là. Du coup, on va en profiter à fond. Peut-être la dernière vidéo, peut-être pas, hein, mais en tout cas, je vous l'aurai annoncé pour quand ça arrivera. Merci à vous, bon visionnage, c'est parti. Allez, petite ligne d'échauffement, full angel. Impec. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. Incroyable, franchement j'aime beaucoup cette ligne. Bon les gars, là vous le voyez, on est en haut du road gap et il faut que je vous montre 2-3 trucs. Bam, je vous passe en 06. Du coup, comme vous le savez, pour la ligne du gap, on part de tout là-haut, là vers les arbres, et on descend tout ici. Là il y a un mongol, on descend tout ici, on prend le road gap, et la suite, vous vous rappelez, c'était un peu brouillon et c'était pas très clean, il n'y avait pas de virage, le step up était un peu défait, et je vais vous montrer les nouveautés qu'on a fait. C'est parti. Dites-vous que ça c'est mes potes, mais laissez tomber. Faut pas chercher à les comprendre. On dit que l'homme descend du singe, mais à mon avis, eux ils sont pas très descendus. Du coup voilà, le gap il est là, on part de là-haut, on atterrit juste ici. Il fait 1m70 de haut sur 4m de long. Du coup ça va, mais dire qu'on a la speed. Donc ça vous voyez, c'est le nouveau virage qu'on a chépé avec Axel. Donc c'est moi et Axel, on l'a fait, il est incroyable. Donc juste ici vous voyez, on l'a bien creusé, on l'a bien remonté. Puis il est solide quoi, je peux marcher dessus. Il n'y aura pas de traces de pas, vraiment full solide. Du coup, on a fait un vrai bon virage, bien structuré et tout. Et là, là-dessus, on va pouvoir s'appuyer comme des porcs. C'est un virage Tarley Bike Park, ça va être incroyable. Juste ici, on a renettoyé un peu la descente. Cette ligne, c'est moi et Axel qui lâchait pont. On a renettoyé un peu la descente. Et en face, on vous a refait des dingueries. Je vais vous montrer tout ça. Du coup, juste là, on a le step up. Du coup, là-bas, virage, hop, on descend. Et boum, on monte step up. Et réception, du coup vraiment il est sympa. On l'a reshape parce qu'il envoyait vraiment beaucoup sur l'avant et en travers par ici. Et voilà, on l'a vraiment refait. Et là il va être tout clean, on va se mettre nickel dessus. Juste ici on a fait un petit appui. Et en sortie de l'appui on a mis un micro kick qui nous envoie sur une petite partie plate qu'on a nettoyée. Et je vais vous montrer ce qu'il y a derrière. Du coup voilà, là après le step up c'est la petite partie tranquille. Et cette ligne, je pense que ça va être la plus grosse ligne du spot quand elle sera finie. Et l'avantage c'est qu'elle n'est pas dans la zone qui va être coupée. Donc juste là, on a le petit kick qui va directement nous envoyer
dans le canyon pour faire un step down to step up. Du coup, en gros, on va arriver là, on va pédaler. Hop, on passe là, petit kick, pas très gros parce que vraiment le canyon est pas loin, vous voyez. Et hop, on atterrit dans la pente du canyon et on remonte direct en face avec un step up et une grosse ligne de double derrière. Du coup, ça, c'est en construction et je vous ferai, je pense, un shape and ride sur cette ligne parce qu'il y a vraiment des grosses dingues. Sur ce, maintenant, je vous laisse admirer comment on va la rouler parce qu'on va aller faire un petit chouchou dessus avec les collègues. Du coup, voilà, j'espère que ça va vous plaire et bon visionnage à vous. C'est parti, dites-moi votre avis sur cette ligne dans les commentaires. C'est parti, ligne du gap. Oui. En gros, j'ai fait un peu de la merde. En fait, je me suis mis grave loin dans le virage. Ce qui fait que j'ai mal freiné. J'ai pas la speed pour le step up. Putain. Vas-y, je vais la refaire. Bon, apparemment, je me suis mis tarpin long. Et du coup, j'ai mal pris le virage. Voilà! Ça, c'est du ride. Là, j'étais impec. Vraiment super. Je me suis mis un peu long sur le step up, mais ça m'a permis de schlarper un peu le virage. Nickel. Step up. Raccro. T'as raccro le step up et t'as failli prendre l'arbre. C'est quoi ça? Franchement, je suis pas fier de toi, Nathan. Faut te remettre en question dans la vie. Hein? C'est vrai, c'est vrai. Je suis trop aigri dans la vie. Là, les gars, il commence à pleuvoir vraiment fort. Du coup, je vais rentrer à la cabane. Puis, on va manger un petit truc. Et dès qu'il pleut un peu moins, hop, on reviendra. Boum. A few moments later. Ça fait très très longtemps que j'y pense à comment se mettre bien, moi j'ai pas ton élan. N'écoute jamais les ondis, ceux qui jactent n'ont pas vu la vie au travers de ton monde. J'ai beau parler dans leur langue, mais faut croire qu'ils n'entendent que le langage de la violence. Je me faufile en balle sans les mains, tu m'as pas vu bégayer quand fallait passer le lent. Sans caracher quand t'as négro, j'ai choisi mes modèles, c'est fiable comme un moteur allemand. Nindé sans cara, sans chicot, et je fais qu'écro bien plus que les grands de tes grands. J'étais ma paille, ils sont pas concentrés. J'attends pas la passe, ils peuvent pas centrer. Je bande, tout me parle pas de pas années. On n'est pas venu ici pour se pavaner. Remballe ta CGMCC. Je pars devant, attends bien que j'ai sauté le caillou avant d'y aller. Bon les gars, c'est vraiment vraiment mouillé. Ça gicle de partout, ça glisse. Ah oh ouais frère, ça glisse tous ces grands mots. On va faire gaffe. Du coup voilà. Allez go. Je tourne la poignée, je passe le temps. Je roule comme si caca m'a. Oh comment c'est gras. Je cale le pétard entre mes dents. Bah ouais, bah ouais. En gros, il pleut sa mère, c'est horrible. Je crois que vous vous rendez pas compte. C'est moi mes jambes. En gros, elles sont noires. C'est aberrant. Heureusement, on a eu un début d'après-midi assez bien. Là, ça commence à devenir grave chiant à rouler. T'es mal le vélo. Aberrant. Bon, je remonte, on se refait quelques lignes, c'est parti. Là, les gars, je vais me refaire la ligne du gap, il est juste là. Je vais pas le sauter parce que ça glisse vraiment trop. Je vais quand même faire le step up et le hip derrière. Du coup, j'attends que Nathalie arrive et on y va. Bon, finalement, il vient pas. Bon. Wesh. Wesh. En fait, j'ai bunny up en haut du truc et j'ai atterri en bas de la fente. Et du coup, c'était pas, je me suis mis tarpin long, tarpin là. Wesh. Je vais crever, go le refaire. Let's go. Ça repart. Du coup, là, on bunny up pas. Wesh, gros. J'ai encore failli me tuer. Tais-moi ce schlarp. En vrai, c'était grave bien. Mais là, faudra pédaler pour aller à la speed du canyon drop. Hein. Putain.
Mais en vrai, c'était grave bien. Juste le schlar qui fait un peu badé. Mais sinon, en vrai, grave bien cette ligne. Faut vraiment qu'on la finisse, ça va être une singerie. Oh les gars, je suis tombé pendant que j'étais en train de remonter. Oh là là, j'ai de la terre de partout sur moi. J'ai plus aucun grip au niveau des gants. Vas-y! J'ai plus aucun grip au niveau des gants, c'est aberrant. Les pieds, ça va parce que j'ai les bonnes petites pédales sans RyoShop. Faut que j'arrête. Bref, et du coup, voilà, c'est parti pour cette petite ligne qu'on n'a pas encore faite aujourd'hui. Let's go! Ça arrive! Qui c'est qui a mis un rondin de bois ici? Je veux le voir. Oh, la terre que je prends dans la gueule, c'est aberrant. Oh, j'ai loupé un petit drop, mais... Allez, c'est parti, dernière descente de la vidéo. Let's go tout le caillou. Oh, c'est tellement gras. Bon bah voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire des concepts que vous aimeriez voir en 2024, parce que en vrai ça me ferait vraiment plaisir de vous produire ça pour vous. En plus de ça, eh ben, je suis désolé si c'était un peu flou, si le son était pas bon, mais c'était à cause de la météo, c'est pas de ma faute. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, je fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt pour de prochains rides, roulez bien, roulez safe, c'était ACS.